Bonsoir à tous. C'est bon, vous m'entendez bien? Bon, écoutez, merci beaucoup d'être venu à cette conférence donc, sur les pirates de l'océan Indien et les mines de la Juste. Je voudrais d'abord, pour commencer, remercier la médiathèque de Saint-Pierre qui nous accueille ce soir. Et plus fort, c'est bon? Wilfried? Non, voilà. Pour le son, ça va? Donc, remercier la médiathèque de Saint-Pierre, en particulier Fabienne Norette, qui nous accueille très gentiment. Donc, vous l'avez peut-être vu dans la presse, nous avons sorti aux éditions Feuille-Songe de Saint-Pierre un ouvrage anthologique, historique et littéraire sur les pirates dans l'océan Indien, sur la période fin 17e, début 18e siècle, ce qu'on appelle l'âge d'or de la piraterie. Donc c'est un ouvrage collectif avec des auteurs du 18e, du 19e et du 20e et que donc, j'ai dirigé, que j'ai coécrit en partie avec Emmanuel Mézineau, avec moi, qui va se présenter. Bonjour à tous, je suis donc Emmanuel Mézineau, je suis chercheur de trésors particulièrement. J'ai la particularité de m'intéresser à tout ce qui est inconnu et expliqué. Et je me suis... Est-ce que vous êtes là? C'est mieux comme ça? Bonsoir à tous, je suis donc Emmanuel Mézineau, je suis chercheur de trésors, j'ai donc collaboré avec Charles Maisance pour cet ouvrage Pirates de l'océan Indien. Donc je me suis contenté d'écrire toute la partie concernant les trésors à l'île de la Réunion. Parce que l'île de la Réunion, vous ne le savez peut-être pas, mais est une île formidable qui a un patrimoine exceptionnel en termes de trésors, notamment dû à la présence des pirates sur son île et qui ont été les premiers acteurs de son peuplement. Je vais donc laisser la parole à Charles qui va commencer la conférence. Merci. Alors, je me présente également, donc Charles Maisance Briseul, je suis professeur de philosophie le jour et le reste du temps éditeur en Corridor Bleu. Et là, donc, je signe cet ouvrage aux jeunes éditions Feuille-Songe. Dirigé par Béatrice Gauvindin. Bien écoutez, on voudrait vous présenter cet ouvrage à travers deux conférences. La mienne portera sur la figure du pirate et celle d'Emmanuel sur les lignes de la Juste. Alors, je vais commencer par une image. Voilà. Tout simplement la couverture du livre. Qui est une reprise d'une œuvre de Howard Pyle, qui date du 19e siècle et qui nous semblait bien représenter la figure du pirate. Je voudrais intituler mon propos « Le pirate, premier héros des temps modernes ?» Point d'interrogation. On est tous d'accord pour dire que le pirate est un mythe, et je pourrais même aller jusqu'à dire un mythe moderne. Bon, c'est une figure qui ouvre la modernité, à partir de la découverte du Nouveau Monde et de ce qu'on pourrait appeler la pré-mondialisation. Ça dit adieu à l'ordre ancien de la tradition et de la hiérarchie, et c'est à ce titre-là que c'est une figure tout à fait exceptionnelle. Ça permet de comprendre et d'illustrer toutes les métamorphoses de la modernité. Bon, c'est un thème qui traverse l'histoire. Jules César a été prisonnier des pirates à l'âge de 22 ans, pendant 48 jours, en mer de Méditerranée. Bon, il en fera payer d'ailleurs assez cher cette action. Donc de Jules César prisonnier aux pirates somaliens qui agissent dans la Corne de l'Afrique aujourd'hui, en passant par les pirates informatiques, le thème semble quand même relativement permanent dans l'histoire. Sans parler du parti pirate, par exemple, qui vient de la Suède et qui existe aussi chez nous. Donc c'est un thème qui va être pris par toute la culture populaire, déjà la littérature, on verra, le cinéma, dès les années 1910, il y a des films de pirates, ça explose dans les années 50-60, jusqu'à nos jours. Vous le savez bien sûr avec Pirates des Caraïbes, la bande dessinée, les jeux vidéo, les mangas. Pour résumer assez simplement le cadre historique qui va nous permettre de comprendre un petit peu ces pirates de l'océan Indien, puisqu'on connaît beaucoup ceux des Caraïbes mais moins ceux de l'océan Indien. Découverte du Nouveau Monde en 1492, 1498, Vasco de Gama est le premier Européen à atteindre les Indes par voie maritime en contournant le Cap de Bonne-Espérance. Ça ouvre les voies, ça ouvre, on peut dire, la mondialisation. Donc, on a un nouvel espace de jeu, si j'ose dire, et surtout de guerre et de conquête. On a des richesses à prendre,
on a aussi des richesses à voler pour certains. Donc le pirate, c'est la version maritime du bandit de grand chemin. Il opère sur les routes commerciales dans des territoires qui sont encore sans maître, c'est-à-dire les océans, et sur lesquels les grandes puissances européennes se déchirent, le Portugal défendant, Espagne, évidemment ensuite France et Angleterre. Bon. Donc on pourrait dire que le pirate va être la version, c'est l'avant-garde instrumentalisée de la colonisation européenne. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Petite image tirée d'un ouvrage de Marcus Rediker. Vous voyez donc les trois grands centres de piraterie dans le monde à cette époque-là. L'âge d'or de la piraterie, c'est 1650, 1660, 1730, pour faire simple, sachant qu'il y a eu des pirates avant, il y en a après. Les Caraïbes, le golfe de Guinée et Madagascar. Bon, sachant que les Caraïbes étant le hotspot de la piraterie, hein, mais les deux autres endroits ont évidemment été très actifs. Pour simplifier, on peut dire qu'ils ont été très actifs dans les Caraïbes et que progressivement, ils ont été chassés vers l'océan Indien. Alors, au début, le pirate a pu être toléré par les puissances européennes. Pourquoi? Parce qu'on veut se battre pour la conquête des mers et les richesses du Nouveau Monde. On veut se battre et c'est l'Espagne qui a quand même les cartes en main, pour diverses raisons. Et la France et l'Angleterre voient quand même d'un assez bon œil qu'il y ait des gens sur mer qui attaquent un petit peu tous les navires, qui les volent et qui puissent affaiblir l'Espagne, bon, et le Portugal également. Donc c'est toléré dans une certaine mesure, on va dire, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, avant évidemment, avant la fin de la récréation, si j'ose dire. À partir du moment où la France et surtout l'Angleterre décident que leurs conquêtes sont assurées, elles vont dire « ça suffit », elles vont poursuivre les pirates ou alors les amnistier. On va voir. C'est-à-dire que soit on va essayer de les pourchasser, soit on va les amnistier en leur demandant « vous vous installez, vous arrêtez la piraterie, mais par contre vous investissez votre argent, si vous en avez, là où vous vous installez ». Donc on peut dire que le flibustier devenu pirate, devient à la fin forban, c'est-à-dire rejeté de toutes ces nations européennes qu'il avait plus ou moins tolérées comme une sorte de mauvaise conscience qui permettait de régler leurs conflits politiques et économiques. Bon, donc en 1713, traité d'Utrecht, c'est la fin de la guerre de succession d'Espagne, et là c'est vraiment c'est à la fois le sommet et le début du déclin de la piraterie. Bon, donc tout ça, j'ai présenté très brièvement le cadre, mais pour vous dire qu'on distingue souvent, enfin, à juste titre, le corsaire du pirate, corsaire, sorte de délégation de service public hein, pour le roi, qui paye un mercenaire en temps de guerre, il a une lettre de course, et il est traité comme un militaire. Bon. Mais en temps de paix, le corsaire peut devenir pirate, évidemment. On va le voir avec la muse, on va voir avec d'autres exemples. Et le corsaire peut également devenir pirate s'il estime qu'il ne gagne pas assez. Je vais juste vous raconter l'histoire d'un des plus célèbres pirates, qui est William Kidd, très étonnant. Il naît en Écosse, en 1645. C'est un marin, il émigre à New York, il fait un mariage heureux, c'est-à-dire qu'il est plus riche qu'avant. Il coule quelques années prospères. Et suite à un voyage, il décide de devenir corsaire pour des hommes très puissants d'Angleterre. Et au cours de ses voyages, on lui demande de chasser les pirates français dans l'océan Indien. Ça ne va pas se passer comme prévu. Pour résumer, ça va lui coûter cher, il ne va pas trouver grand-chose, ses hommes vont se révolter, vont lui dire « écoute, c'est pas tout à fait ce qu'on croyait ». Et William Kidd va sombrer petit à petit dans la piraterie, c'est-à-dire attaquer les navires sans autorisation royale en quelque sorte, c'est-à-dire des navires marchands pour son propre profit. Bon, je simplifie un petit peu, mais William Kidd, pensant bénéficier de l'amnistie royale dans les années 1720, on va dire, retourne à New York, mais cette amnistie s'appliquait à tous les pirates sauf à lui et au capitaine Avery. Il sera arrêté, renvoyé en Angleterre, jugé, bon, le procès est assez intéressant, pendu, exposé sur les bords de la Tamise, pour faire exemple. En ayant évidemment caché un trésor qui aurait peut-être pu l'aider à s'en sortir, on en retrouvera une partie sur l'île Gardiner, et l'autre, évidemment, on ne l'a jamais retrouvée, mais il semblerait qu'elle soit dans l'océan Indien. Bon, alors, Bourbon dans tout ça, on a coutume de dire que les Mascareignes, et que l'île Bourbon en particulier, étaient des escales, des étapes de ravitaillement pour les pirates, sachant que Madagascar permettait plutôt des
cachette, des replis, et des replis lors des embuscades. Bon, mais Bourbon, tout comme Maurice, permettait le ravitaillement en eau fraîche et en vivres, et évidemment pour les habitants c'était très intéressant, puisque vous pouviez vendre de l'eau contre des diamants, ce qui fait évidemment rêver beaucoup de gens, même maintenant. Bon. Mais il y a aussi autre chose de plus intéressant avec Bourbon, c'est que lors de l'amnistie royale, eh bien, beaucoup de gens, beaucoup de pirates, anglais pour la plupart, mais aussi français dans les zones d'équipage, vont s'installer à Bourbon et vont faire souche. On dit qu'au début du XVIIIe siècle, un habitant sur quatre à Bourbon est forban, est pirate. Bon. Donc c'est tout à fait étonnant hein, sur ce peuplement de Bourbon. Alors voilà, je vous montre quelques diapositives juste pour vous montrer déjà l'influence de ce William Key dont je vous ai parlé, qui a fait, voilà, c'est son portrait, donc homme respectable qui deviendra l'homme haï, donc portrait ici classique, et voilà, il Captain Key de brûlant sa Bible, bon, il rentre en piraterie, hein, il cesse d'être corsaire, et ses chansons, il a consacré des chansons, c'est lui qui inspire l'île au trésor de Stevenson, c'est lui qui inspire aussi en partie le scarabée d'or d'Edgar Allan Poe. Bon. Alors on dit, on raconte aussi que la corde de sa pendaison a cassé, ce qui valait la vie sauve, normalement. Mais là, comme c'est un pirate, on l'a reconduit immédiatement et il est vraiment mort. Bon. Voilà, donc là, cette image très célèbre hein, de Kidd au bord de la Tamise, pendu et son corps exposé. Bon, c'est des gravures postérieures, bien sûr. Alors voilà, et puis il a inspiré le cinéma, je vous ai choisi un titre, mais il y en a de nombreux. Bon, et une copie de l'ordonnance, il y en a eu plusieurs, hein, du roi de France, portant amnistie pour les forbans, voilà, vous vous calmez, vous arrêtez, et on efface l'ardoise. Sauf pour qui ? Bon, c'était vraiment l'Angleterre, et l'abus, vous savez tous, on le verra, a cru pouvoir bénéficier de l'amnistie, enfin, il y a un trouble là-dessus, mais il n'en bénéficiera pas, puisque il sera pendu en 1730. Voilà donc pour les périodes de Bourbon, et... Maintenant, je voudrais aborder ce qui nous a permis de construire ce livre avec Emmanuel, la question des sources. On a essayé de faire de cette anthologie un livre qui puisse faire découvrir les pirates par les textes. Alors, il y a des sources extérieures, administratives, des procès-verbaux, des actes de naissance, des archives notariales, le journal d'un gouverneur, on en a mis un petit peu, en essayant de les rendre les plus agréables à la lecture. Bon, et ce sont évidemment des sources relativement hostiles aux pirates, on s'en doute. Il y a aussi des récits de relations, de voyages, de gens qui ont pu être prisonniers des pirates. Je pense à Jacob de Bucquoy, hydrographe et cartographe hollandais, qui était fait prisonnier par l'abus de Taylor. Bon, il existe donc des textes comme ça qui sont passionnants, mais qui sont aussi, là encore, quelque peu anti-pirates. Évidemment, ce qui m'intéresse, ce qui nous a intéressé, ce sont les sources internes. Quelles histoires les pirates ont pu raconter sur eux-mêmes ? Il faut imaginer le navire pirate par une mer sans vent, une mer d'huile, qui s'ennuie, ou alors qui est en train de faire des tâches ultra rébarbatives, comme nettoyer le pont, éplucher les tours, réparer les endroits fragiles du navire. On raconte des histoires. On raconte les pays qu'on a vus. On raconte les trésors qu'on n'a pas eus, ou qu'on a eus, évidemment en rêve. On peut aussi inventer des monstres, comme par exemple le Kraken, une sorte de mégazoïte, hein, pour simplifier. Et ça à la fois un intérêt, ça permet de transmettre l'histoire aux autres pirates, aux jeunes pirates, il y a un côté rituel et communautaire, évidemment, les pirates ici forment communauté par l'histoire, et bien ces histoires, dans lesquelles il y a du vrai, mais également de la légende, nous sont parvenues grâce à des gens, des écrivains par exemple, les premiers romanciers modernes, qui traînaient dans les ports en attendant les navires. Bon, le plus célèbre d'entre eux, et peut-être le plus fascinant, c'est Daniel Defoe. C'est Daniel Defoe, l'auteur que vous connaissez tous, Robinson Crusoe, 1719, l'histoire vraie d'Alexandre Saint-Pierre qui se retrouve abandonné par les pirates sur une île et qui survit 5 ans, bon, au large du Chili. Et il écrit, je reviendrai plus tard là-dessus, une histoire générale des plus fameux pirates en deux tomes, 1724-1728, 38 petites biographies des plus grands pirates de son temps, Caraïbes et Océan Indien, donc deux femmes, bon, qui sont des Caraïbes. Alors là-dedans, il y a un petit peu tout. On dit que c'est l'invention du roman moderne, c'est assez sec,
Ça s'enchaîne vite, les péripéties, il n'y a pas trop de jugement, et il semble que beaucoup de choses soient exactes et soient recoupables par des documents historiques. Bon, ce qui est assez, assez fascinant. Alors, pour parler de ça, en grande partie, vous trouvez donc les périodes de Saint-Julien par Defoe dans ce livre, il s'agit de la contre-histoire de Daniel Defoe. Au XVIIe comme au XVIIIe, on ne parle pas des criminels. Ce sont des gens qui n'ont aucun intérêt. Ce sont les gueux des mers, ce sont des vagabonds, ce sont des gens qui s'attaquent au droit de propriété, qui remettent en cause le commerce triomphant. Donc ils n'ont aucun intérêt, et Defoe leur donne parole. Alors, s'intéresser à des gens modestes, évidemment, mais qui sont parfois princes des pirates, comme le capitaine Avery, ça a un intérêt parce que ça permet de mettre en avant ce qu'ils ont pu inventer et ce qui me fait rêver encore. Certes, c'était des criminels, mais sur le bateau, ils inventaient un nouveau monde. La mer, c'est une sorte de non-espace, il n'y a pas de frontières véritables, en tout cas les fameuses frontières physiques, il n'y en a pas. Et sur le bateau, parce que la vie sur les navires de la marine marchande ou de la marine militaire était intenable, on essaye de survivre avec un mode de vie, bon, vous avez tous sûrement entendu parler, une vie très organisée pour les tâches, une vie égalitaire, le capitaine et le quartier maître n'ont qu'une fois, une fois et demie à deux fois leur part du butin. Le capitaine n'a pas de cabine spéciale, il vit avec les hommes. Il y a un conseil des pirates, il y a une élection. Ils ont inventé, dit-on, la sécurité sociale. Il y a un fonds de secours pour les blessés, avec un barème, une jambe, un œil, tant de pièces. Donc c'est ce mode de vie égalitaire qui nous fascine. Les esclaves peuvent être, pas tout le temps, mais peuvent être intégrés à l'équipage pour les besoins de la cause et donc être pirates à part entière. C'est un modèle égalitaire qui, évidemment, à cette époque-là, est déjà un petit peu novateur. Donc, les pirates font communauté. On pourrait parler de leur bateau comme d'une babel. Ils doivent inventer une nouvelle langue, en tout cas des nouvelles valeurs, qui sont celles de l'égalité. Et on pourrait dire aussi du libertarisme. Alors, pour continuer et conclure cette Babel, ce bateau Babel, pré-mondialisant, si j'ose dire, on débouche, où va ce bateau? Il va sur l'utopie, il va sur l'île pirate. Ça tombe bien, Madagascar, les Caraïbes, la Providence, l'île de la Tortue. Et il y a une utopie pirate extraordinaire qui se serait passée dans l'océan Indien, au nord de Madagascar, qui est assez connue, c'est évidemment Libertalia, une république pirate égalitaire fondée par Lisson et un moine italien défroqué, Caraccioli. Alors, évidemment, on a de sérieux doutes sur la véracité historique de cette république Libertalia. On n'a pas retrouvé de traces. On a une vague trace d'un Lisson, mais enfin, pas beaucoup plus. C'est assez compliqué. Mais on peut dire que cette Libertalia, c'est peut-être l'histoire que les pirates se racontaient quand ils rêvaient. Ils rêvaient vraiment d'une république égalitaire lors des journée sans vent. Et ils naviguaient sous la bannière de la mort. Leur vie était très courte. Ils en profitaient quand ils avaient des butins, mais ils savaient qu'ils allaient mourir. Donc, Libertalia, c'était un petit peu leur patrie de cœur. Vous reprendrez de cœur dans Pirates de tous les pays. Libertalia, c'est l'expression littéraire des traditions, des pratiques et des rêves du prolétariat au cours de l'âge d'or de la piraterie. Bon, alors belle formule de cet historien américain contemporain. Et je voudrais aborder maintenant un autre point, l'histoire des pirates, qu'on essaie de vous faire découvrir et qu'on découvre de toute manière tout le temps, c'est déjà le piratage de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez vu qu'il est délicat chez Defoe de parfois d'enlever la part de fiction ou la part de réalité, on y arrive quand même, mais Defoe en fait aurait à présenter son livre, Histoire générale des plus fameux, c'est lui Daniel Defoe. Histoire des plus fameux pirates, si vous regardez bien, à la fin, c'est signé by Captain Charles Johnson. On a su qu'après que c'était Defoe, donc déjà il avançait masqué, comme Descartes, bon, et ensuite, on pense que Defoe ne serait qu'un des auteurs de cet ouvrage, il faudrait plutôt le voir comme un livre collectif. Bon, donc déjà, des gros problèmes de paternité sur ce texte, bon. Les pirates pratiquaient la tromperie avec les faux pavillons, vous le savez, et dans la stratégie éditoriale et de texte, c'est un petit peu la même chose. On avance masqué, on invente des choses, tout en essayant de toujours rester vrai. Bon, donc ce piratage de l'histoire, il passe par l'élaboration du texte, il passe aussi par la destruction de certains documents, dont parlera Emmanuel. Bon, le cryptogramme de la Muse, certes,
c'est très compliqué, mais les roches gravées à La Réunion, vous allez le voir, elles ont pu être détruites ou tout simplement volées. Bon. Donc c'est au lecteur de recomposer le texte pirate, le texte piraté, c'est le lecteur qui, avec les pirates, rêve et rêver, c'est déjà remettre en cause l'ordre établi. C'est ce que faisaient les pirates. Bon, évidemment, ils allaient un peu plus loin que le rêve, hein, les pirates. Mais le rêve était quand même leur seule issue. Donc c'est au lecteur d'agencer cette prolifération de signes que le texte troué des pirates lui donne. Bon, c'est ça, en tout cas, personnel, qui m'a marqué, qui m'a fasciné dans ces textes pirates. Alors, pour finir, en guise de conclusion, ce propos, je parlerai tout simplement des pirates contemporains. Bon, il y a des pirates de l'air, mais ça, j'en parlerai pas, mais je parlerai du pirate informatique, qu'on connaît tous. Peut-être que dans la salle, il y a des pirates informatiques. J'en suis même quasiment sûr. Le pirate informatique, c'est soit celui qui hack, qui attaque des serveurs. On parle de guerre informatique, il y a des pays qui payent des gens pour ça, mais le pirate informatique, c'est celui aussi qui met à disposition des données, qui partage. Hein, François Ier, le pape, disait « Internet est un don de Dieu ». Alors peut-être qu'il voulait dire « c'est un don des pirates », je ne sais pas. Mais voilà, le pirate informatique vole des données, les met à disposition de tous et continue un petit peu cette démarche des pirates qui était d'attaquer les compagnies commerciales, d'attaquer les couronnes, d'attaquer les empires. Bon, c'était pas forcément des Robins des Bois, mais en tout cas de rêver d'or et de liberté. Donc, on pourrait dire des libéraux libertaires avant l'heure. Donc le parti pirate suédois, par exemple, réclame la mise en commun de toutes les données informatiques. C'est quelque chose de très actuel. Le téléchargement, peut-être qu'ils l'ont fait, ça se pratique, c'est illégal, mais il semblerait que les lois, les législations soient relativement impuissantes face à ce phénomène. Donc voilà, la figure du hacker permet de revisiter le thème du pirate et de montrer que ce bateau Babel qui va vers l'utopie ressemble un petit peu à ce monde virtuel, ce monde de réseau sans frontières, d'ubiquité, d'instantanéité, d'avatar, de multiples identités. Voilà, donc pour mon propos. Je voulais simplement dire que cette figure du pirate est fascinante, elle traverse notre modernité, elle est illustre, elle en montre toute la complexité. Et ce que je voulais dire, bien, c'est à Bourbon, des pirates ont fait souche. Est-ce qu'en faisant souche, ils ont enterré leur rêve, ou est-ce que Bourbon continue d'avoir le rêve pirate? Voilà, j'ai fini. Alors ce soir, je suis venu là pour vous parler du fameux pirate Labus que vous devez tous connaître. C'est bien évidemment le pirate le plus célèbre de l'océan Indien, qui plus est à l'île de La Réunion. C'est une vraie figure folklorique, et bien plus que, là, c'est, enfin, plus que ça, c'est un véritable personnage historique. Ce pirate est né donc aux alentours du début du XVIIIe siècle, un petit peu avant, vers 1695. Il serait né à Calais, donc dans le nord de la France, et il aurait commencé sa carrière dans la marine très jeune, puisqu'il aurait été aspirant dans la marine royale. Par la suite, il aurait poursuivi donc sa carrière dans la marine en tant que corsaire pour le roi de France durant la guerre de succession d'Espagne, comme l'a expliqué Charles tout à l'heure, de 1710 à 1714. Et à la fin de la guerre, ne souhaitant renoncer à sa vie d'aventurier des mers, il a continué à poursuivre ses exactions de corsaire, mais de manière illégale. Il est donc devenu pirate. Il a écumé les Caraïbes pendant 4 ans, jusqu'en 1718, aux côtés de vraies figures de la piraterie, les plus grands pirates de l'âge d'or. Calico Jack Rackham, Edward Teach, Samuel Bellamy, Hornigold, de véritables figures. On en retrouve certaines représentations aujourd'hui, notamment dans le film Pirates des Caraïbes, par exemple, qui est le plus connu. À la suite de ça, en 1718, les pirates étaient devenus indésirables dans les Caraïbes. Labus a été obligé de s'exiler dans l'océan Indien, comme de nombreux autres corbeaux. Il a donc commencé ses exactions sur les côtes ouest de l'Afrique, avant de venir un petit peu écumer l'océan Indien. Il s'est naufragé aux alentours de 1720 à Mayotte,
et il a été recueilli par un duo de pirates qui s'appelle Edward England et John Taylor. Ce sont deux pirates anglais qui travaillaient ensemble. Edward England a été marronné, c'est-à-dire que son équipage a déposé sur une île déserte avec une ration d'eau, un pistolet et une balle. En quelque sorte, c'était une sorte de condamnation à mort. Et Olivier Levasseur a hérité du bateau d'Edward England qu'il a rebaptisé le Victorieux. Avec John Taylor, ils ont commencé donc leurs premières exactions et leurs premiers coups d'éclat, et notamment un qui est rentré dans l'histoire comme l'une des plus grosses prises de l'histoire de la piraterie. Cela s'est déroulé en avril 1721 au large de l'île Bourbon, en rade de Saint-Denis. Il y avait à l'époque un bateau portugais qui revenait des Indes, avec à son bord le vice-roi des Indes, le comte d'Eriquera, ainsi que l'archevêque de Goa. Alors l'archevêque de Goa, à l'époque, c'était un petit peu le pape des Indes, c'était le représentant de la religion catholique aux Indes orientales. Ces deux personnages revenaient donc de 10 ans de mission aux Indes, avec un bateau extrêmement chargé, avec d'énormes richesses à l'intérieur. Le bateau a essuyé une terrible tempête, donc quasiment deux, qui lui a fait perdre ses trois mâts. C'est un très gros navire de 800 tonneaux, c'est quand même un sacré bébé, comme on dit. Donc ce navire était en réparation en rade de Saint-Denis. Les pirates l'ont abordé, et bien évidemment, ils n'ont pas eu de mal à en prendre possession. La légende raconte que cette prise est l'une des plus grosses prises de l'histoire de la piraterie, qu'il y avait à son bord des milliards d'euros de richesses. À titre d'exemple, les historiens relatent que chaque matelot a reçu 42 diamants en part de butin. Alors il faut savoir que sur chaque bateau, il y avait environ 250 hommes, ça nous fait 500 hommes, vous multipliez par 42 diamants, ça fait à peu près 20 000 diamants sur le bateau. Et on ne parle pas de l'or, des soieries, des pierres précieuses, des éventuelles épices, bois nobles, etc. qui pouvaient se trouver dessus. Une fois le bateau donc, portugais pris, les pirates sont partis à Madagascar pour fêter leur prise. Hubert Deschamps raconte d'ailleurs que dans cette fête mémorable, 80 pirates sont morts suite à la débauche qu'il y a eu. C'est vous dire de quelle manière ils l'ont fêté. Donc, ces fameux pirates ensuite ont continué leurs exactions après tout ça. Ils ont un petit peu écumé les côtes orientales de l'Afrique, notamment de la Goa. Ils ont été prisonniers Jacob de Butoy. Ils ont également pris un navire qui s'appelle la Duchesse de Noailles. C'était un navire de la Compagnie des Indes qui était censé ramener à Bourbon des esclaves, des vivres. Et non contents du butin qui se trouvait à bord, les pirates ont mis le feu au navire avec les esclaves encore dans la cale. Bien évidemment, ceci a fait scandale à l'époque, puisque c'est pas tant pour les esclaves, c'est surtout que les colons de Bourbon se sont trouvés privés de denrées et de matières premières et de main-d'œuvre très précieuses pour l'établissement de la colonie. Donc ça a été, on va dire, un peu la prise qui a un petit peu signé la reine mort de la buse. Par la suite, on perd un petit peu la trace de ce fameux pirate. Il semble qu'il soit établi du côté de Madagascar pendant quelques années, qu'il soit un petit peu rangé. Apparemment, on le retrouverait du côté de Sainte-Marie, dans la baie d'Antongil, où il aurait de temps en temps exercé ses services de pilote, c'est-à-dire qu'il aurait offert ses compétences de navigateur aux navires de passage, comme il connaissait bien l'endroit, pour les guider, pour éviter qu'ils s'échouent sur les bancs de sable qui sont nombreux dans le secteur. La buse, par la suite, fut reconnue à partir de 1729 par un navire qui fut envoyé de l'île Bourbon, qui était commandé par le capitaine Dermite, le navire La Méduse, qui avait pour objectif, en théorie, de faire le plein d'esclaves à Madagascar. Il s'avère que la buse aurait, qui bien aurait, parce qu'on n'a pas de preuves là-dessus, aurait été reconnu par ce fameux Dermite. Il aurait été mis au port, très probablement dans l'espoir que ce capitaine puisse toucher une éventuelle récompense pour sa capture. Parce qu'il faut savoir que malgré l'amnistie royale qui avait été offerte aux pirates, l'abuse n'en a pas bénéficié, et il était même par conclusion toujours condamné à mort, par contumace. L'abuse fait prisonnier, il a donc été ramené à l'île Bourbon, il a été jugé au mois de juillet 1730, et il a été pendu sans autre forme de procès. Il y a eu un petit jugement, on a perdu les pièces du procès, on ne connaît pas les détails du procès, ce qui semble assez mystérieux. Il a été pendu haut et court. Alors pour la petite histoire, on pend les pirates haut et court. Haut pour pas que les pieds touchent le sol, et court pour économiser la corde. Parce que ce sont des formants, ils n'arrivent pas qu'on gaspille un petit peu le champ pour eux. C'est assez glauque, hein, mais c'est la réalité. La légende raconte par la suite que lors de sa pendaison, l'abuse aurait lancé dans la foule un mystérieux papier en s'écriant « Mon trésor à qui saura le prendre » et que ce papier mènerait au trésor du pirate. Comme on l'a vu lors de la prise de la Vierge du Cap, on sait que chaque pirate avait une part personnelle de butin. Le fait est qu'on n'a aucune trace, à l'heure actuelle, de la part personnelle de l'abuse. On ne sait pas ce qu'elle est devenue et la légende court depuis sa pendaison qu'il aurait enfoui un gigantesque trésor. Donc la représentation que vous voyez là, c'est un portrait de l'abuse fait par Michel Fort. On n'a pas de représentation d'époque du pirate, on ne sait pas exactement à quoi il ressemblait. Donc ça, c'est tiré d'une BD donc de Michel Fort sur l'abuse. Ça, c'est le fameux cryptogramme qui a été dévoilé en 1934. Donc c'est un document qui est écrit en alphabet franc-maçon. Vous ne connaissez peut-être pas, c'est une écriture cryptée qui est employée par diverses sociétés initiatiques secrètes, entre guillemets, je dirais plutôt discrètes que secrètes.
C'est une écriture cryptée qu'on peut traduire en alphabet latin. Et ce document, donc, serait censé mener au cryptogramme de la, au trésor de la Muse. Donc ce document a été dévoilé en 1934 par Charles de la Rancière. Or, il s'avère que c'est un faux. C'est un faux. Ça fait plus de quasiment 100 ans que les chercheurs cherchent sur ce document alors qu'il n'a aucune existence officielle. Vous ne voyez pas, mais il est noté en fait, sur Charles de la Rancière a noté dans son ouvrage que le cryptogramme du Forban trouvé à l'île Mahé était un message chiffré rédigé par le pirate La Buse qui était censé indiquer ses trésors et ce dernier était conservé à la Bibliothèque nationale de France. Bien évidemment, j'ai moi-même contacté la Bibliothèque nationale de France, ils n'ont aucune trace de ce document dans leurs archives. Il n'a jamais existé. Par contre, il existe un vrai cryptogramme de La Buse qui lui est dans une collection privée et dont voici la photo. C'est un document assez exceptionnel qui est sur une peau de velin. La peau de velin paraît tout à fait assez ancienne, craquelée. L'encre, pareil, est assez friable. C'est un document qui est très fragile. Donc il est dans une collection privée, il est bien à l'abri en France par des gens qui seraient héritiers d'un autre corsaire qui vient un peu éclairer cette affaire qui s'appelle Nageon de l'Estang. Vous avez peut-être entendu parler. Alors ce Nageon de l'Estang, c'est, on va dire, le personnage central de cette énigme de La Buse. C'est un personnage qui a vécu à peu près un demi-siècle après La Buse. Il serait né aux alentours de 1740 à l'île Maurice, donc d'un père qui serait officier de marine, et il aurait été lui-même officier de marine, puis corsaire, et plus ou moins pirate. On ne sait pas trop, c'est assez trop, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'archives à son sujet. Ce Nageon de l'Estang, donc, aurait été corsaire, et il a laissé plusieurs lettres testamentaires avant de mourir, dans lesquelles il raconte son parcours. Ces lettres, elles ont été dévoilées dans divers ouvrages, Alice Dunerville, Robert Charroux, etc. Et dans ces lettres, il nous raconte des choses très intéressantes sur son parcours. Il nous dit notamment, dans ma vie aventureuse et avant d'embarquer sur l'Apollon, donc l'Apollon c'est un corsaire séchellois qui a notamment été armé par le corsaire Odoul, c'est un nom qui doit dire quelque chose à tous ceux qui s'intéressent à ce sujet. Donc dans ma vie aventureuse et avant d'embarquer sur l'Apollon, j'étais partie de ces corsaires qui ont fait tant de mal à l'Espagne et à notre ennemi l'Anglais. Avec eux, nous avons fait de jolies prises, mais à notre dernier combat sur les côtes de l'Hindoustan, avec une grosse frégate anglaise, le capitaine a été blessé et à son lit de mort, m'a confié ses secrets et ses papiers pour retrouver des trésors considérables enfouis dans la mer des Indes. Nageon aurait donc hérité de papiers d'un mystérieux corsaire, des papiers qui permettraient de retrouver plusieurs trésors dans l'océan Indien, et des trésors, comme il le dit lui-même, considérables. Il aurait hérité de ces papiers un petit peu avant la Révolution française, il serait rentré en France avec, il aurait attendu que la Révolution se passe, et puis une fois que la Révolution se serait un petit peu calmée, il serait revenu dans l'océan Indien pour retirer certains de ses trésors. Il aurait fait naufrage aux alentours de 1794 dans le sud de l'île de la Réunion, du côté du Baril, pas très loin non plus de la Ravine en Vaux, qui est une assez connue des chercheurs de trésors. Et il relate ce naufrage dans un testament, donc à son neveu, où il dit « j'ai naufragé dans une crique près des Vacoas », etc. etc. Dans cette même lettre à Justin, Nageon de l'Estang, qui est l'un de ses neveux, et à qui il adresse donc ses papiers et son héritage, il nous raconte aussi « par mon naufrage, j'ai perdu beaucoup de documents, j'ai déjà retiré plusieurs trésors. Il n'en reste que quatre enfouis de la même manière, que tu trouveras par la clé des combinaisons et les autres papiers qui te parviendront en même temps. Par une étrange combinaison, les figures cryptographiques donnent à ce point mon nom BN. » Les deux lettres BN. C'est assez énigmatique comme ça, c'est assez sibyllin, et pourtant ces choses s'expliquent tout à fait rationnellement, vous allez le voir. Alors il y a deux choses à retenir très importantes, c'est que Nageon de l'Estang avait plusieurs trésors, et qu'il existe donc une méthode d'enfouissement qui permet de retrouver plusieurs trésors, et que la clé de cette méthode d'enfouissement, ce sont les deux lettres BN. Alors vous avez ici quelques images du fameux cryptogramme. Il s'avère que parmi les fameux papiers dont Nageon de l'Estang aurait hérité, il y a notamment ce cryptogramme, ainsi que d'autres papiers. Donc le lien en fait entre le cryptogramme de La Buse et Nageon de l'Estang, c'est que Nageon de l'Estang aurait hérité de ce document qu'on attribue à La Buse, mais qui n'est probablement pas de lui. C'est une certaine incohérence historique, puisque ce document, la façon dont il est composé, il y a de fortes probabilités qu'il ait été rédigé par un corsaire au grade franc-maçon, au grade de chevalier rose-croix, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Donc voici quelques images de ce document. Vous voyez, c'est un document très fin, c'est relativement bien fait. Tout est fait à l'encre, il n'y a pas de retouche. Tous les dessins, ça peut paraître assez bizarre, assez, on va dire, il y a un petit côté enfantin. Ce sont tous, pour en grande partie, des reprises d'ouvrages antérieurs à 1730, des ouvrages d'époque. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, ça c'est pas le but d'aujourd'hui. On retrouve beaucoup de représentations astrales, solaires, stellaires, etc. On trouve la représentation du Victorieux, qui est le navire sur lequel la Buse a attaqué la gare du Cap, le vaisseau portugais.
une représentation du vaisseau de la Perle, qui est le vaisseau de Taylor, l'associé de la Muse, etc., etc. Voilà le texte de ce fameux cryptogramme. Alors, ce texte, on peut donc le traduire, théoriquement, en changeant chaque signe correspond à une lettre. Quand on effectue cette opération, on obtient un véritable galimassir, quelque chose qui pourrait ressembler à une recette de cuisine. Pour vous donner une idée, les premières lignes, elles disent « Âtre, prenez une paire de pigeons, tire les deux cœurs, pissez, agite, tête, cheval, fume, corde, fume, un chien, tétu, prenez une cuillère, etc. etc. » C'est littéralement incompréhensible. Et pourtant, ce document, ce texte, il s'explique de manière tout à fait rationnelle. Ce texte, en fait, il est codé d'une double manière. Il y a déjà donc un premier codage qui correspond à l'alphabet maçonnique, qui permet de crypter le texte. Et en fait, quand on extrait certains points bien particuliers de ce texte, qui se répète un certain nombre de fois, on se rend compte que ce document est dissimulé dans une carte des étoiles. Il y a une carte des étoiles qui est cachée dans ce document. La carte des étoiles qui est cachée dans ce document, c'est la carte de la constellation Lepus-Sobieski. C'est une toute petite constellation, c'est une des plus petites du ciel d'été, elle est visible à peu près partout sur la planète, puisqu'elle se situe sur l'équateur céleste. Ça veut dire que vous soyez au pôle, enfin, que vous soyez dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, vous pouvez la voir tout aussi bien selon les périodes de l'année. Alors, j'ai relié un petit peu les étoiles de cette constellation. Voilà, on obtient ce tracé. Et en prenant les points remarquables du cryptogramme, on obtient ceci. Il y a une nette correspondance entre les deux. Et vous remarquerez qu'au milieu du triangle qui est dessiné par les espèces, les trois petits A pointus là, comme les appels bibliques, on a trois lettres entourées en jaune. À l'intérieur de ces trois lettres, il est bien marqué, quand on les traduit, EQ, comme la constellation de l'écu de Sobieski. Donc ce fameux cryptogramme a d'ailleurs bien une explication. C'est pas une recette de cuisine, c'est ni plus ni moins qu'une carte des étoiles. Alors, pour le comprendre, et pour comprendre un petit peu la suite de cette énigme, je vais vous présenter des choses un petit peu plus techniques, et notamment l'alphabet franc-maçonnique. Alors, l'alphabet franc-maçonnique, c'est un alphabet secret, donc, qui est connu depuis le XVIe siècle, et qui se compose de cette manière. Il est composé d'un carré de Saturne, donc c'est un carré de 3 cases sur 3 dont les bords extérieurs ont été gommés, et une croix de Saint-André, donc la croix de Saint-André c'est le fameux X. Et pour l'écrire, on le compose de cette manière. On inscrit deux lettres dans chaque case. Ainsi, dans le coin supérieur gauche, on inscrit les lettres A et B, à côté C et D,